Hello, James. My good friend, brother, Mr. John Hallyday, give him a big round of applause. Bon alors, attendez, Johnny et James, on a un traducteur qui va nous aider parce que si je parle anglais à James avec mon accent du sud-ouest, il va croire que je me moque de lui. La première question que je voulais poser à James, c'est est-ce qu'il a l'impression quand il écoute les radios qu'il est à l'origine de tout ça? Listen. Now, when you listen to the radios, do you believe you're behind all these tunes you hear today? Yes. I don't know what to say. Je ne sais pas quoi dire. I just say I love it. Je vous adore. Est-ce qu'il connaît... Est-ce qu'il connaissait Johnny Hallyday et qu'est-ce qu'il en pense? Did you know Johnny Hallyday before? Have you met him before? Many, many years ago. Il y a de nombreuses années. At the Olympia Theater. Hôtel de l'Olympia. In Paris. À Paris. Je crois que James voulait poser une question, one question for Johnny. Yes. No, no, he wants me to. No, I got one question for you. No, traduisez au fur et à mesure. I want you to sing some of the song with me. One, two, three, four. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get on. Sex in the shit. What we'll do one day that you ask me and I want to do it with you, say do it, lui et moi, do it. Un disque ensemble. James et Johnny sur un même disque. J'ose à peine y croire, ce serait une véritable folie. En tout cas, merci James Brown, merci Johnny. On se retrouve dans quelques instants, le temps que Johnny s'installe, puisque Véronique Sanson l'attend pour ce qui sera un des grands, grands moments de cette émission, quelque chose de Tennessee en duo. Il y aura également Texas, Patrick Bruel et tout ça. Ça se passe après ça. À tout de suite dans Chantait.